Arrête de rigoler! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo inédite parce que j'ai jamais fait de facecam avec lui. Alors, aujourd'hui comme vous pouvez le voir, moi je vais lui montrer mais lui il va me donner son avis sur le shopping que j'ai fait sur le site Yons. Normalement je le dis bien, c'est un peu particulier comme nom mais Yons. Je crois que je le dis bien, Yons. J'ai choisi deux pantalons, une robe, une combi, deux robes plutôt, et une paire de chaussures. On va commencer tout de suite. Alors je vais te montrer ce que j'ai pris, tu vas me donner ton avis. Après je vais l'essayer et tu vas me donner ton avis porté. Ok? Ça marche. Alors bon bah on commence par les pantalons. Alors... on a ce pantalon et j'ai pris un taille M, mais ça correspond à 40-42. Alors je sais pas si en vrai c'est comme ça ou pas, mais moi je fais un 38. Voilà, donc bon bah on verra comment c'est. Mais c'est une coupe déjà un peu large de base, donc je pense que ça va m'aller, c'est sûr. Mais voilà, faut voir comment ça rend. Personnellement, je le trouve joli vu comme ça. Bon, je porte plus du tout de pantalon avec des trous, mais j'avais envie d'en prendre, donc voilà. T'en penses déjà comme ça? Je trouve ça un peu trop large. Un peu trop large. Ouais. Il préfère les jeans ajustés. Ouais, c'est après, je sais pas, faut essayer sur toi. Mais... ouais, c'est sûr. Ouais. Donc bah, j'essaye. Pas cher. Là, tu filmes? Oui. Alors? Vas-y, tourne. Ça va. Il est trop long. Oui, mais ça se retrousse. C'est pas mal, moi, je trouve. Tu verras avec quelle eau tu le mettrais? Ça va avec tout cette couleur. Je vais vous montrer comme ça. Parce que sinon faut que j'enlève ma caméra du trépied. Voilà, ouais bah c'est un petit peu grand forcément. Hein. Donc bon bah avec une ceinture. Du coup, si tu fais 38 tu dis? Mais parce que j'ai pris M, parce que je pensais que M c'était 38 quoi. Mais en fait je le savais. Hein. Ah oui tu le savais. Donc voilà, bah, je vais le mettre hein, c'est sûr, j'aime bien, on est cool dedans. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Bon bah on passe à la tenue suivante. Je vais me mettre à ta hauteur pour que la mise au point se fasse pour tout le monde. Donc l'autre jean... c'est fragile ça. Les l'effet trou. Ouais. Non mais ça c'est sur tous les pantalons effet trou. Donc là c'est pareil, hein, c'est M 40-42. C'est un stretch. Oui c'est stretch, exactement. Je connais. Donc ça c'est bien par contre, voilà, vous n'êtes pas écrasé dans votre pantalon donc... Il est tout petit. Voilà, mais oui, c'est normal, c'est une taille. Un 3 quarts. Voilà. J'aime bien le bas, moi, personnellement. Mmh. Voilà, il y a des espèces de petits clous qui sont pointés de l'autre côté, hein, donc c'est normalement pas le truc qui va se barrer rapidement, mais voilà, sympa cette. Cette coupe. Puis sinon, c'est un jean slim normal. Par contre, ici, au niveau, sur le côté de la poche, il y avait un petit truc, d'ailleurs, il reste encore. Un petit brin rouge là, une couture rouge. Il y avait un espèce de petit encart comme quand vous portez des Levi's là, vous savez, vous l'avez ici. Ça, mais c'était une marque. On s'en fiche. Mais c'était là et ça me plaisait pas de voir le truc, donc du coup je l'ai retiré. C'était écrit juste jeans dessus. Je préfère qu'il y ait rien derrière, voilà. Mais sinon bah très bien pour ça. T'en penses quoi? Il est pas mal, faut voir sur toi. Ouais. Encore des petits foufous là. Oui. C'est les mêmes. C'est très très stretch. C'est très très juste, oui. Ouais. C'est bon, je l'ai enfilé. Bah, quand il est mis, après c'est bien. Ouais. Mais non, je préfère cette taille là que l'autre, tu vois. Bah ouais, c'est pas le même style. Bah pas du tout. Mais ouais, il est bien. Hmm. Regarde. Ah! Vas-y, clique sur moi. Bon bah, c'est bizarre de vous montrer ça sur les comme ça. Il était difficile à enfiler, mais après une fois enfilé, c'est bon. Hein. Voilà. Bah par contre là, comme je vous disais, je fais un 38. Ça, si c'est 40-42, faites attention au niveau de la taille, quoi. Prenez bien M si vous faites un 38 et pas L.
si vous faites un 40-42, parce que sinon ça va pas vous aller, c'est sûr. C'est exactement ce que je pensais. Ouais. Parce que, enfin, voilà, ça me sert pas, mais c'est vraiment pile poil, quoi. Donc ça, c'est bon. On va passer à la combinaison que bah, j'ai jamais essayé, hein, donc je vais découvrir en même temps. Hein, mais hop, c'est une combi marron avec un gros élastique au niveau de la taille pour cintrer. Des petits boutons sur le devant. Des gros boutons. Oui, des gros boutons. Et c'est une combi short. Franchement, la matière, elle est très très bien. Les coutures et tout, tout est très bien. Moi, je vois pas de trucs bizarres ou quoi. Et c'est réglable au niveau des bretelles. Donc ça, c'est très bien. Donne-moi ton avis au lieu de faire le zizi là. Oui, il est beau. C'est marron quoi. Ah, je pensais que c'était un. J'ai pas vu que c'était comme ça. Non, c'est une combi short. Ouais. Vous voyez comme quoi il écoute vachement quand je dis quelque chose, ça fait peur. Une combi short. Allez hop, j'essaye. Purée. T'écoutes pas, hein? Bah non. Bah le but c'est que t'écoutes quand même. Trop de trucs à penser. Bah pense pas. J'ai pris quelle taille? M. Younes. On dirait une baroudeuse. C'est pas mal, hein? Cet été, tu seras bien là-dedans. Ouais, franchement sympa. Il y a des poches en fait. Hop! Comme ça, c'est bien. J'aime bien la taille comme ça. Ça me choque pas. La coupe? Ouais, non. J'aime bien l'élastique là. C'est pas un élastique tout fin, vous savez, où ça va remonter tout le temps, où vous allez pas être bien. Il y a des poches sur les côtés. Au niveau de la longueur, bah, on est pas mal. Hein. Franchement, c'est bien. Le dos, il est comme ça. Donc, très très bien. Franchement. Franchement, j'aime bien. On est vraiment bien dedans. Mmh. Peut-être. Oui, c'est sûr. Article suivant. C'est une robe jaune. Wow. Une robe jaune avec une petite ceinture en tissu pour resserrer. Voilà, le bas, il est sympa. Ouais. Pas mal. Pareil, c'est en taille M. Ouais. Et bah, j'ai pas de robe... De ce style-là, là, au niveau de la coupe. Donc allez. Essayage. Waouh, elle est toute jolie. Ouais, elle est belle, ça ouais, c'est bien. La couleur me plaît plus. Ah, c'est beau. Mmh. Et puis quand tu tournes, ah, ça fait une petite danseuse. Waouh. Elle est trop belle, ouais. J'aime trop, franchement, elle est super jolie. Hop, elle arrive là, donc parfait. Nickel, ouais. Voilà. Non, mais franchement, c'est super beau. Danse. J'aime beaucoup. On danse. Danse avec les stars. Non, elle est trop belle, elle est fluide. Et fallait pas moins hein, que M au niveau de là. Un bouton. Bah, ou juste une petite piqûre comme ça. Mais ça, c'est toujours le problème avec la poitrine. Mais franchement, très très bien. Il n'y a rien là de bizarre au niveau de là, des coutures, etc., des bords. Super, franchement trop bien. La petite ceinture pour cintrer, sinon si vous voulez pas cintrer, bah, ça fait comme ça. C'est pas... C'est pas... Il y a des trucs exprès. Oui. Oui, c'est que j'ai mis comme ça. Mais... Non, mais attends. Ah oh, allez, bon. Après c'est une paire de chaussures. Un peu particulière, qui ne va pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Je l'ai déjà... Ça brille. Ouais, c'est des... vernis, enfin plastique vernis quoi. Je les ai déjà essayés donc du coup je sais comment elles me vont. Mais j'aimais bien en fait le talon, le fait qu'il soit un petit peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude. J'aime bien les pampilles, enfin bref. Je trouve que c'est très joli. Le seul truc, vu que je l'ai déjà porté pour l'essayer, enfin juste essayer, pas porter plutôt, c'est qu'au niveau de là ça me fait un petit peu mal. Donc à voir si avec le temps, à force de le porter, ça va se détendre et moins frotter. Mais en fait, ça me frottait un peu. J'ai pris taille 39. On voit pas mes poils de jambes. Mmh. T'aurais fallu du 40. Bah, non, mais en fait, au niveau de la taille, ça va. Ouais, c'est que c'est le style de la chaussure. Je vous mettrai une photo portée après. Enfin voilà, parce que là, comme ça, je vais pas vous montrer tout. Mais au niveau de la tâche... C'est une attache comme ça là, c'est un peu chelou quoi au début, mais en fait ça se fait. Hein. Vous savez, vous avez une accroche, hop, vous tournez et vous le mettez devant et hop ça tient, pas de problème.
Voilà. Mais très joli père, hein, franchement. T'en penses quoi, toi? J'aime bien. Mais si t'es pas bien dedans, c'est nul. Bah ouais, c'est que c'est ça. Mmh. Mais après, peut-être, peut-être que si... Elles sont neuves aussi, après. Hein. Oui, c'est un plastique, quoi. Donc forcément, c'est un peu rigide. Mais peut-être que si je mets avec des mi-bas, voilà, des petites chaussettes, comme des collants, pour te dire, ça va peut-être le faire. Voilà, c'est peut-être juste le frottement avec mon pied. Mais bon, ça, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, c'est super, super original. Et dernier article... C'est une robe, un peu tie and dye. Ça revient beaucoup à la mode cette année, tout ce qui est années 90, ouais. On est à fond. Il y a une fermeture sur le côté pour l'enfiler et devant vous avez ce drapage là que vous nouez, voilà, sur le devant. Il y a des bretelles qui s'ajustent. J'ai pris taille L, ouais, parce que j'avais un doute et je crois que j'ai bien fait vu comment elle est. Elle me paraît quand même courte, hein, mais ouais, c'est ce que je sinon pensais. La couleur et le modèle est très sympa. Ouais, ouais, donc allez. J'ai chaud. Ouais, faut pas plus court, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Sinon, elle est très belle. Hein. Ouais, elle est jolie, mais... Il y avait d'autres couleurs, ça, enfin, que ça. Non, j'ai vu que celle-ci. Ouais. Après, ouais, il y en a peut-être qu'en fouille, mais... Alors, elle est très belle. C'est clair, ouais. Mais elle est courte, quand même. Et toi, debout. Donc, oui, elle est quand même courte. Donc, faudra quand même faire attention. Ah, faut pas plus court, hein, disons. Que... Ouais, faut, oui, faut pas plus court. Après, ça ouais. Commence à être... être juste, bah après voilà le drapage, voilà, hein. Tout est bien, hein, franchement, hein. Rien à dire. J'ai pas eu besoin de mettre la fermeture, il y a encore un petit peu de jeu, mais le M aurait été trop juste, c'est sûr et certain. Et forcément quand tu prends une taille en dessous, ça raccourcit un petit peu, même si c'est 1 cm, ça se voit rapidement, donc non, voilà, elle est belle, franchement elle est belle. Il n'y a rien de mes choix qui sont pas bien, j'aime tout, franchement j'aime vraiment tout. Peut-être le premier pantalon où j'aurais peut-être dû prendre taille S, même si c'est une coupe large. Du coup, le fait d'avoir taille S, ça aurait été un petit peu plus ajusté quand même. Mais voilà, avec une ceinture et tout, moi je le porte, c'est sûr. On est bien au moins dedans à la maison et tout, c'est cool. Et toi, t'en penses quoi de mon shopping là? Très bien. Voilà, c'est très bien. C'est vrai? Bah ouais. Sauf le premier pantalon, exact. Ouais, bah je me doutais que c'était celui qui te plairait moins. Ouais. Mais après, si tu le mets, moi je m'en fous. Bah en fait, il sera quand même joli. Oui. Faut juste voir, vérifier qu'il se détende pas au fur et à mesure de la journée. Ça, c'est vraiment la chose qui m'angoisse le plus avec les jeans. C'est pas beau, t'as un beau jean qui te va bien, puis à la fin de la journée, t'as un baggy. Ouais. Donc voilà, je vous dirai ça en barre d'infos si l'ayant porté une journée, ça a changé quelque chose. Parce que juste après l'avoir tourné, je vais faire mon montage, je vais vous la mettre en ligne pour que vous l'ayez le jour là où vous le regardez. Mais j'aurais pas pu l'essayer. Donc voilà, mais en tout cas, nickel, tout au lavage est resté intact, il n'y a rien qui s'est cassé. Oui, je lave toujours. Il n'y a rien qui s'est cassé, rien n'a bougé, rien n'a rétréci, voilà, tout est très bien. Donc c'est encore un bon point. Et pareil pour les chaussures, je vous remettrai une petite annotation en barre d'infos. La fois où je l'aurais porté une journée complète, enfin pas complète parce que je travaille à la maison, mais une journée pour sortir avec des chaussettes, ce que ça aura donné. Parce que moi, je les trouve vraiment très très belles, mais bon, peut-être le fait de... d'attendre qu'elle se fasse, voilà. J'ai complètement oublié de vous montrer le haut que j'avais commandé aussi, sachant que je ne l'avais pas rangé avec le reste, forcément je risquais pas de le retrouver, mais voilà, c'est un haut vraiment tout fin, avec une dentelle comme ça, au niveau du dos, est-ce qu'on va réussir à voir? Oui, voilà, c'est comme ça, mais écoutez, je le porte là depuis une petite demi-heure, je le trouve sympa, il est léger et tout. On va demander à Alexis ce qu'il en pense. C'est quoi ça, un petit dévaleur? Quoi? J'aime bien cette coupe, c'est beau. Tout ça. Ouais, c'est sympa. C'est tout léger. Oui, c'est normal. C'est tout léger, voilà. Ça se porte bien. Voilà, tranquille. C'est tout joli. Oui, et j'avais aussi un bracelet de cheville. Voilà, il est comme ça, il est tout simple. Il est tout simple, mais je l'ai porté la dernière fois. Sur ma journée, écoutez, il ne s'est pas cassé, il est très bien, donc voilà, je vous mets tout de toute façon, pardon. Bon, et bien n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est votre tenue préférée, soit dans l'ordre, soit vraiment quelque chose que vous avez aimé, et je vous mets tous les liens en barre d'infos, et j'ai également un code promo à vous fournir, pour que vous puissiez à votre tour découvrir et commander sur leur site, parce que franchement, très sincèrement, je suis super contente, tout est de très bonne qualité, c'est arrivé, oui les chaussures sont arrivées dans une boîte à chaussures,
plus dans un pochon, je trouve ça sympa, voilà, ça vous le réutilisez quand vous allez... Là je vais le laver clairement et puis je vais le réutiliser quand j'irai juste acheter quelques trucs, vous savez, genre vous allez à Biocop, vous achetez deux trucs, ça c'est suffisant, c'est un petit sachet comme ça, c'est pas mal. Donc voilà. En fait, ça veut dire your inspiration, si tu as vu. Oui, j'ai vu. Ouais. Wow. Mais je pense que ça se dit yons. Je ne sais pas. Mais voilà, très belle découverte, je connaissais absolument pas, j'avais vu aucune vidéo sur ce site, donc je suis contente. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne qui s'affiche par-ci par-là, à vous abonner si c'est pas fait et à activer surtout la petite cloche pour avoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo afin d'être au courant et de pouvoir la visionner quand vous aurez le temps, voilà, forcément. Allez, à bientôt. T'es belle.